deux versions. M'a pris en français et m'a pris en créole. Somme 80, tout le monde net campé. Depuis le gué-pied. Et m'a demandé si vous avez l'accent de l'oul, pas qu'à camper. Que l'énergie qui saute dans Jésus traverse cette salle-là. Que l'énergie saute sous chair à traverser cette salle-là. Tout le monde a senti qu'il y a un loup, un don loup. Que mon Dieu embrasse ou. Que vous sentez même passer en bas de ce loup. Mais tu campé pour la gloire de Dieu. Yata kabahuta makita uta la kia uta. Mi kupa uta kia uta. Yes. Somme 91. Alléluia. On salue par sa garde net dirigeant. Un homme de Dieu, un vrai psalmiste. Qui chante bien les cantiques. Mon Dieu béni ministre, homme de Dieu. De quatre, français d'abord. De quatre, allons-y. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je libère la vie, car c'est lui qui te délivre du filet. Continuez, de la peste. Verset 4, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Continuez. Sa fidélité est un bouclier, est une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de l'ouche, ni la flèche qui vole, mes amis, ni la peste qui maille dans les. Continuez, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Dis amen là, dis amen. Dis c'est pour moi. Verset 8, continuez. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Yes. De te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et les, mes amis. Puisqu'il m'aime. Mais causez. Je le protège. Écoutez parole, bon Dieu, monsieur. Verset 15. Il m'invoquera et je lui répondrai. Tout bon Seigneur, je serai avec lui. Seigneur, c'est vrai. Je le délivrerai. Je le glorifierai. Je les rassasierai de nos jours. Et je lui ferai voir. Dites amen. Créole. Vire en créole. De quatre, on allait là. Moun qui cherchait protection, bon côté bon Dieu qui est dans le ciel là. Moun qui était caché en bas, bon Dieu qui a tout pouvoir. Qu'a dit Seigneur? C'est où qui toute défense moi? C'est où qui toute protection moi? Où c'est bon Dieu moi? C'est dans où moi mettez toute confiance moi? Monsieur, c'est lui-même qui pas quitter ou prendre un pèlerin, qui pas quitter maladie qui vous touiller ou tomber sous, l'a l'ouvrir ou l'a couvrir ou en bas elle, en rien pas privé ou côté ou caché à, l'a toujours qu'embe power mes amis, c'est ça qui protection ou. C'est ça qui défaille, aïe aïe. Ou pas besoin de bagaille qui a fait mon peine en nuit. Ni qui a pas besoin de casser pour malheur qui est arrivé ou la journée. Ou pas besoin de mauvais maladie qui a tombé sous mon dans la ville Saint-Marc, dans Port-au-Prince, dans le pays. Ni épidémie qui a touché mon gros midi. 1000 personnes te mettent tomber sous bord gauche ou 10 000 sous bord droit ou. On n'y est pas privé ou à rester comme ça, ou à garder, ou à voir gens, y'a pas méchant, y'a ça, y'a mérité. Parce que vous prenez bon Dieu pour te faire pour défense ou. Parce que vous prenez bon Dieu qui est dans le ciel pour protection ou. Aucun malheur, pape, qui arrive ou. Aucun méchant, pape, qui apprécie. Gardons, bip, messieurs.
bon Dieu a passé les anges li au Lord pour yo veiller sur une grâce là, une onction là, une onction là pour yo protéger ou côté au passé. Il a porté ou nan main yo ou pas casser les orteils pieds ou sous aucun roche ou a marcher sous lion ak sous serpent ou a craser jeune di lion yo ak scorpion en bas pied ou di en bas pied moins. Dis en bas pied moins. Verset 14. Bon Dieu dit, m'a sauvé moun ki remet moi. Deux, m'a protégé moun ki connaît moi. Trois, l'el relè m'a répondu. Quatre, l'el nan trai m'a la avec lui. Cinq, m'a délivré. Six, m'a fait yo respecter. Sept, m'a fait vivre longtemps. Huit, m'a ou met chita sur une place. Yeshua Amashia, le Dieu tout-puissant, le protecteur des faibles, l'espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer, le Dieu qui donne de la force à celui qui est fatigué et qui augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. L'incommensurable, l'instoppable, l'inavoutable, le Dieu grand, notre berger, notre papa, dans le ça, dans la outsa, le huitième mois de l'année. Oh Dieu, nous approcher pour nous la prier dans nos pieds, pour des bonnes paroles que nous venons d'entendre dans le psaume 91e. Père Saint, merci pour toute parole. Merci pour toute grâce ou déjà fait. Merci pour moun qui est en guéri dans la salle là depuis dans la lecture. Merci pour moun qui traversé. Merci pour moun qui recevait une nouvelle énergie. Oh Dieu, j'élève mes mains vers toi qui siège dans les hauts cieux. Il est écrit dans Esaïe. Alléluia, tu es le premier et le même jusqu'au dernier âge. Toi qui démentis les divinors, mais les serviteurs parlent aux bal raison. Oh matin, bénis-nous toutes nos présences. Bénis nos amis branchés. Moun qui branchés un peu partout à travers. Moun qui en bas live là. Moun qui connecté sur radio télé réconfort en direct. Père, bénis-nous toutes. Bénis tout ça qu'a fait Père. Contrôle toute bagaille depuis Kounia jusqu'à ce que nous fassions dernière prière et jusqu'à ce que nous avons déplacé Père toute bagaille dans mes mains. Bon, mon langage clair, bon, mon langage précis, afin que parole qui a sorti dans la bouche moi encore va accompagner de grâce et assaisonner de sel pour la bonne édification de nos âmes. Oh Dieu, dame ça qui vient là, pied gratter ça. Dame ça qui vient là en bâtiment te fait mal ça. Dame ça qui vient là avec pète de sang ça. Moi prends initiative. Alléluia dans le nom de Jésus. Moi couper tout contact qui te connecte nous à maladie, misère, la faim. Et c'est pour nous rentrer dans une nouvelle ère. C'est pour nous sortir tremper dans la présence. C'est la prière que nous t'adressons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et amen. Voilà. Très bien. Alléluia. Voilà. Maintenant, nous saluer présence papa bon Dieu qui move dans mitan nous depuis dès le début et qui jusqu'à présent a amplifié dans mitan nous dans la vie. Maintenant, il était très tard hier soir, je me tape le psaume 91. Bien aimé, je me suis trop bagarre dans le psaume ça. Je me dis, il vaut la peine pour me partager avec vous quelques secrets dans le psaume 91. Et je vous garantis, frère, ça me va le douleur. De vous bailler espace pour entrer dedans ou à sortir là en l'autre monde. Alléluia. Et la vie ou
a pris l'autre direction sous toute forme à la gloire de Dieu. Est-ce qu'on avait jusqu'à présent? Hein? Voilà. Somme 91, il y a plusieurs titres dans le Bali. Tant qu'il y a un auteur qui dit Somme 91 est comparé à une belle ou une grande maison qui possède des chambres spéciales. Monsieur dit, Somme 91, tant qu'il y a une belle maison qui possède des chambres très spéciales. Mais le psaume 91, son psaume messianique, son psaume qui parlait sous Jésus même. Mais tout psaume 91, par son importance, ce n'est pas seulement chrétien qui utilise. Il y a des gens qui sont francs-maçons, qui ont une Bible, il n'y a pas une Bible pour l'autre, il y a une Bible pour quatre psaumes. Psaume 91, psaume 23. Psaume 119, psaume Sayo, ce sont des psaumes avec psaume 121. Quatre psaumes Sayo, ils sont tellement puissants, même les francs-maçons pas quitté yo, même les kabbalistes pas quitté yo pour chrétiens. Psaume 91, psaume 121, psaume 119, psaume 23. Tendez bien. Je promets pour moi deux niveaux avant matin. Premier niveau, c'est comment se cacher sous l'abri du Dieu. La Bible a dit celui qui demeure sous la vie de Dieu. Que là, des monde qui caché. Comment un monde qui a caché en bas de mon Dieu. Et deuxième bagaille pour nous, les garanties d'être sous l'abri ou bien les garanties que nous gagnons, après si ma douleur en créole, n'après qui garantit gagner leur caché en basel, mon Dieu. Tout le monde qui a fait n'importe ça, a fait son garantie à chercher. Nous devons chercher un monde qui a une garantie dans mon Dieu. Alors, maintenant, nous avons un grand thème en dans Somme 91 qui c'est en bas zèle, mon Dieu, me caché, moi pas fait rien. Dis à ton voisin, en bas zèle, mon Dieu, me caché, moi pas fait rien. Non, 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 que parole ou abdi, attendez. Frère, toute parole c'est parole. Mais que parole ou abdi, que j'en dis. Ou pas, il y a des gens qui ont dit ça. Les deux, c'est pas ça, il y a un problème, non, mais c'est dans ce ton dit là. Parce que, il y a un ton dit une parole. Oh, li, comme si j'en dis parole là montre une réaction de, ou bien une action de. On allait là, cherche mon dit en bas zèle mon Dieu me caché, moi pas peur. Mais sujet n'a pas tiré dans grand thème dans matin hein, c'est les garanties d'être sous l'abri du Dieu. Je n'ai pas garanti que je suis là. Mais je n'ai pas tout, je n'ai pas 3 ou 4. Mais on a dit. Alors, bien aimé, tu dis Somme 91 par son importance. Tellement son somme qui est puissant, Somme 91. Il y a des kabbalistes, des francs-maçons, des hommes. J'étais en République Dominicaine, Zol, Buenos Aires, il a prêché. Il y a un jeune petit garçon dans cette salle là qui sont francs-maçons, monsieur. 32 ans comme ça. Et puis monsieur vini, Kael nan men, il gagne tout prier li, tout, etc. Il m'a prêché, la fait signe, comme si vous déviez, ou bien pour dérégler, vous décontrôler dans le message. Depuis dimanche soir, monsieur dans cette salle là, madeleine dit vini, non, mercredi au soir. Pendant le premier coup, je commence à parler. Qui t'aime de gagner le ça? T'aime non, c'était sauter en bas pouvoir madichon. Galates chapitre 3, verset 13-14.
Pendant que je parle, je pointe du doigt. Je dis que les gens là, dans la salle là, qui ont fait dans la main, qui ont caillé dans la main. Je dis que ça, il n'y a pas rien d'importance. Je dis importance, la vie ou gagner le pataka chita non fait caillé. Pendant que je parle, je suis tombé pip à tout livre là. Non. Je viens de prêcher, je dis pasteur. Quand nous avons parlé, je me dis, son étoile, moi qui saute dans la bouche, je frappe, je dis, puis je chavire à terre. C'est l'homme tombé à se baisser, m'a baissé ma étoile, m'a passé. Comme si j'aimerais la vie sous moi, m'a baissé visage moi. Et puis il parti. Je dis, pasteur, mes livres là, mes cahiers, mon bon cahier ça. Mais quand il y a loué, pasteur, je me dis, monsieur, Jésus, quand on a pilou toujours. Comme on dit qu'on est Jésus, quand on a pilou. Je me suis prié à monsieur, j'accepte Christ. Je suis malade. Jusqu'à présent, je suis dans la Bible. Dans la souhait, je suis deux nègres qui viennent côté. Une jeune, une tête pour l'eau. Et puis, je dis, vous avez longtemps à battre nos coups, nous avons trop de secrets dans nos mains. Nous venons chercher Kaya. Et moi, sac tête pour l'eau, algo masque dans la tête. Masque dans la tête, déconne. Et je me suis piqué ma conne. Bien aimé, l'aime lever dans le dormir. Mon gon fièvre République Dominicaine m'a tremblé m'baka nan pita pour mal prêcher m'a tremblé alléluia m'bral et ça fait m'bral ou avoir là m'bral ou avoir les quatre garanties quand on est sous l'abri du très haut alléluia levez mon dit Seigneur m'a écouté ça veut dire quelques certaines fois si bon Dieu pas avec nous gen rêve ou fort pas t'appeler avançons passons à l'autre côté. Frère, le psaume 91, son puissant psaume. Soldats, là, ils prennent dans la bataille. Ils ont utilisé ce psaume, ça. Alléluia. Comme psaume ou bien déclaration de protection. Maintenant, dans le psaume 91, pasteur Gardner, au début, maintenant, depuis ce moment, nous avons cherché à connaître trois noms que nous joignons. Et qui est important pour nous connaître. Et c'est là que nous avons les secrets pour nous connaître comment pour nous cacher sous l'abri de Dieu. Pour nous serrer. Nous avons dit serrer. Nous avons dit cacher. Nous avons même dit serrer. Comment pour nous serrer, en basel, bon Dieu. Premier nom, c'est Estelle, il dit le très haut. Attendez. Celui qui demeure sous l'abri du très haut. C'est le premier nom qu'il utilise dans ce moment. Attendez bien. Deuxième nom qu'il utilise pour Dieu dans ce moment, c'est Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Troisième nom, c'est l'Éternel. Maintenant, on a fouillé la Bible pour nous connaître. Qui importance? Pour qui ça? L'auteur, le psalmiste. Alléluia. Utiliser ces noms. Et à partir du verset, écoutez, 5, sommes dans l'autre dimension. Pour qui ça? Parce que trois noms, ça est tellement fort. Et psalmiste appelle garantie sécurité, nous, à partir du verset 3, pour venir au verset 8, et du verset 9 à verset 16, qui c'est deuxième grande partie. Alléluia, dans ce moment qui est subdivisé en deux grandes parties, verset 3 à 8. Alléluia, ça y est, c'est garantie que nous gagnons les noms demeurés en Basel, bon Dieu. Et verset 9 à 16, c'est promesse, bon Dieu, fait à moun qui demeure en Basel. Alléluia. On nous est ça bien. Premier nom qu'on a utilisé dans ce moment qui nous est très haut. Faut avec. Foi même, c'est ça. Non, ça, le très haut apparaît pour la première fois dans la Bible, dans Genèse chapitre 14, verset 18. C'est le premier côté où il y a un nom, le très haut écrit. Lors de la rencontre d'Abraham avec Melchisédek ou bien Melchisédek souffle. Les Abraham dans Genèse. Fin pote la victoire. Alléluia. Abraham rencontrait à Melchisedec
Melchisedec là même, on dit que la Bible dit Melchisedec là, ne pas qu'on race, pas qu'on sac maman, sac papa, mais Melchisedec, le roi de Salem. Alléluia. Au verset 18, pour y venir verset 20, Genèse chapitre 14, et m'tan mon lit, bah il faut ouais non même, ouvert Bible là. Genèse chapitre 14, le verset 18. Là, on a lu, on a cherché qu'on ait des bagailles pour qu'on ait, pour qu'on ait épaisseur. Bon Dieu, qu'à voilà. On a lu là. Amen. Verset 18. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Abraham, après le fil remporter la victoire, Genèse chapitre 13, Genèse 14, il parle contre Melchisedec, le sacrificateur du Dieu très haut. Abraham prend le porter trois bagailles by Melchisedec. N'a réfléchi sur ça, m'a poché ça jeudi. Premier bagaille, rencontre Abraham et Melchisedec, c'est la communion. La communion. Qui t'aime pour se font une différence entre relation avec Dieu et communion avec Dieu. Frère, nous tous là, avons une relation avec mon Dieu, pas moi et Jésus-Christ. Mais nous tous là, nous pas en communion avec Dieu. Il y a une grande différence entre avoir de la relation à un homme et avoir de la connexion ou bien communion. Et ça fait quand il a dit, va gagner une communion parfaite avec ou même. Oui, nous avons une relation à mon Dieu, pas moi et Jésus. Depuis nous accepter Jésus, nous avons une relation, nous sommes en relation. Ou qu'il y a une relation à un monde, mais on pas de communion avec. Frère, pour passer de la relation à la communion, l'offre accepter Jésus, faut développer un climat, une sphère, faut développer un terrain de communion. Et pour développer, c'est dans le dialogue, c'est dans la communication. Frère, si vous mariez avec une fille, nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas dialoguer. Il n'y a pas de différence entre les nous ménage ou bien fiancé à mariage là, non? Communion, nous pouvons gagner, c'est dans le dialogue. Les nous dialoguer, ça fait dire, dialogue là, il est indispensable pour foyer. Ça veut dire, vous avez une relation avec mon Dieu, deux femmes dans le Nouveau Testament. Vous avez une relation avec Jésus, vous avez une communion. Qui est-ce qui a dit qui deux femmes? Marie et Matt. Marie a une communion. Communion, tu es toujours en bas pied Jésus. Il est toujours en parlé à Jésus. Tu allé à la frère Jésus, à prêcher, à prier. Bon Dieu, dis-moi un bagaille. Bon Dieu, dis-moi, le plus gros problème, l'église haïtienne en Haïti, c'est parce que là, on a prié, nous quittons, on a prié pour nous. Frère, pas jamais fait ça. La Bible dit, si on seul tué 1000, détruire 10 000. Ou pas qu'à quitter frère Jésus, on a prié, ou même on a bavé. Non. Ou pas qu'à quitter frère Jésus, on a prié, on a dormi. Non, c'est vrai. Si on seul tué 1000, ou être dans la mathématique de Dieu, parce que Gardner, nous dit 1 plus 1 égale 2, alors que dans la mathématique de Dieu, 1 plus 1 égale famille. Dans la mathématique de Dieu, homme plus femme égale famille. Vous pouvez voir ça, Mabdoula. Témouvrez vous. Si la Bible a dit, on seul tué 1000, on a les mêmes bien-aimés. Combien d'états doit tuer? 2000. Alors non, non, dit si on seul tué 1000, détruire 10 000. Ça veut dire non, bon Dieu pas servi, les bon Dieu a avancé avant, il pas servi à signe plus, mais il servi à 1000. Tendez bien. Le fait que qu'on y a là, dans la mathématique de Dieu, il pas compter même là avec nous. Donc, si ma prière ou à prier, on apprend, il fait, hé, non. Acte des apôtres,
Ça que t'es fait terre à trembler, c'est parce que toute l'église a tapé la prière. Il y a la prière, c'est toute l'église qui a prié. Ou pas, il y aurait l'autre monde pour prier pour mon chou abdomi, ou dans le téléphone ou dans la tablette. Non, frère. Si nous voulons trembler le monde, si nous voulons trembler ça vient, si nous voulons souquer village, si nous voulons souquer bandits, nous avons prié, c'est pour nous tout à prier. Et frère, puis gros âme qui a chambardé le système Haïti, là, c'est la prière. La prière. Et ça fait m'avancer aujourd'hui à commencer à l'enseigner Timon Lakayou, l'église là, enseigner à prier. Là, à prier, déposer micro. Dis apprendre à prier pour me tendre voir. Frère Junior, qu'on est là, dit, les nous sommes, n'a prié plus. Maintenant, premier bagaille, Abraham porté pour Melchisedec. Un, Abraham en communion avec elle. Deuxième bagaille, frère Junior, nous te dit, Abraham porté qui ça? La Sainte Seine. Pain et puis vin. Il y a l'autre dans la Bible là, Genèse 14. Pain et puis vin. Yes. Verset 18. Abraham porté pain et puis dit vin. Troisième bagaille. Au verset, oui, au verset 19, verset 20, Abraham pote dim. Trois bagailles, depuis avant la loi. Un, la communion. Deux, la sainte scène. Trois, la dim. Réfléchis sur ça. Alors, ça va le confirmer. Dans Hébreux chapitre 7, la Bible dit, Melchisedec, ça, le roi de Salem, c'était Jésus-Christ, notre Seigneur. Attendez bien, oui. La Bible dit, alléluia, Abraham, lorsque Melchisedec présentait pour lui dit, je suis le Dieu du Très-Haut. Ça veut dire, expression Dieu Très-Haut signifie Dieu qui est maître du ciel et de la terre. Frère, m'vin dou sa servante. Pas fait tête ou mal, pas tout et tête ou. Bon Dieu a servi à liguer pour lui le ciel et la terre. Oh yes, ou a servi un gros bon Dieu. En bas, zèl bon Dieu me caché, moi pas fait rien. Crie alléluia. Crie alléluia. Crie le sang de Jésus. Melchisedec ça, Hébreux 7, l'auteur épite aux Hébreux, dit nous que Melchisedec, alléluia, Jésus, notre grand frère, le souverain sacrificateur, qui était en communion avec Abraham. Ça veut dire, Jésus, bien-aimé, il a besoin pour une bonne relation avec lui-même. Ce n'est pas seulement une relation, mais pour une communion avec lui. Pour faire mettre tout, pour toujours communiquer avec elle, à dialoguer avec elle dans la prière, pour qu'elle joigne son besoin. Crie amen, dis m'amen là pour m'avancer. Maintenant, dans Genèse 14, c'est pour la première fois, non, très haut, le très haut, et ça somme nous dit. Mais somme n'est pas seulement là, il dit celui qui demeure sous l'abri du très haut repose à l'ombre du tout puits, du tout puissant. Tandis que le nom tout puissant, nous allons joindre bon Dieu pour le citer non ça pour la première fois dans la Bible, dans Genèse 17, verset 1. L'Éternel pourra dire à Abraham, marche devant moi, sois intègre. Je suis le Dieu tout. Attendez bien, oui. Prends ça ma parole bien, oui. 1. Genèse 14. Lorsque dans Genèse 14, vous venez dans Genèse 17. Qui deux chapitres vous venez avant, vous venez dans 17. Lorsque dans 14, vous prenez. Après 15, vous prenez. Après ton bénin dit, eh bien, mais ça, bon Dieu dit, Somme 91, mais ça le dit. L'entre dans chapitre 15 à chapitre 16 du livre de la Genèse, où il y a deux secrets qui permettent de rester cachés en bas de bon Dieu. On a loué le secret. Le Tout-Puissant, il cite en hébreu qui c'est El Shaddai. Le fait que Kounia là, le Dieu, alléluia, le Très-Haut lui-même, il saute.
li gon mot hébreu qui c'est El Elyon ou bien El Elyon souvle. El Elyon Genèse 14. Ça veut dire wap servi bon Dieu piwoa. Pas qu'un nèg qui a fait me trembler. Somme 27 dit ça. Je sais en qui j'ai cru. Rien pas fait me trembler. Alléluia. Amen. Criez le sang de Jésus. Le Dieu très haut. Non hébreu c'est El Elyon. Le Dieu tout-puissant. Amen. Genèse 17, verset 1. Le tout-puissant, c'est El Shaddai en hébreu. Qui signifie, ça veut dire, entre chapitre 14 à 17, chapitre 15 à 16 du livre de la Genèse, nous avons deux secrets pour capable demeurer sous l'abri du Très-Haut. Premier secret pour demeurer sous l'abri du Très-Haut, Bible a dit dans Genèse, dans chapitre 14, verset 17 du livre de la Genèse, la Bible dit que, mes bien-aimés, Abraham eut confiance en Dieu et Dieu lui puis Dieu te fait grâce. Abraham t'est justifié, c'est pas par les œuvres, c'est pas par ça que t'es fait, mais c'était bon Dieu qui t'a fait grâce. Et ça fait nous avoir deux périodes de grâce, une période de grâce avec Abraham et une période de grâce avec tout le monde. Ça veut dire là dans Genèse chapitre 14 verset 17, ça c'est le fondement même de l'évangile. Alléluia. Amen, oui. Dans Jean 3, verset 16, Bible a dit, car Dieu a tant aimé le monde. Ça, c'est la deuxième période de grâce là. Mais première période de grâce là, c'était avec Abraham, dans Genèse 14, verset 17. Alléluia. Ici, c'est parce qu'Abraham était quoi? Eh bien, premier bagaille, premier secret qui a permis de rester caché sous l'abri de Dieu, sous l'abri du Très-Haut, c'est avoir la confiance en Dieu. C'est faire bon Dieu confiance. Ah oui. Et vous dire ça, ça veut dire grande différence entre croyance et confiance. Tendez bien. Il est vrai que par rapport à la publicité à fait, il y a parlé de plusieurs dentistes. Si m'ta osé citer un nom, docteur Chaperon, il y a dit les dentistes. Nous croyons ça parce que moi photo, moi clinique li. Mais qu'on y a boum, j'ai confiance dans lui, femme ouvert bouche moi bali un jour pour le racheter en dents pour moi. Il y a une différence entre croyance et confiance. Oui, quelqu'un peut être dentiste, quelqu'un peut être odontologue, mais pour me reconnaître, c'est un odontologue de qualité, femme te subi service lui. Ça veut dire qui ça? Amen, oui. Avoir confiance en Dieu veut dire quoi? Ça veut dire, alléluia, la confiance, c'est la dimension affective de la foi. Donc, lorsque nous faisons Dieu confiance, nous restons quoi? Même si moi, nous avons chaviré, même si terre a crassé ou le dans la mer, moi, j'ai confiance. Pour qui ça? Parce que bon Dieu te délivré déjà. S'il te délivré hier, je continue à faire confiance aujourd'hui. Oui. Le fait que dentiste là, odontologue là, t'es lâché dent pour moi, les dents t'a fait mal là, et bien même si 2033 t'arrive, m'a continué quoi dans le docteur ça. Tout l'autre docteur mon a venu parler, ça c'est causé pour. Mais docteur t'es lâché dent pour moi, c'est lui me fait con. Ouh! Levez-moi, dis confiance. Dis confiez-moi dans Dieu. Le fait que mon Dieu t'a délivré, première délivrance, mon Dieu, bon. C'est là maintenant votre maman me protéger contre chaleur. Deuxième délivrance, l'air arrive pour me sortir, maman me mettait dehors. Troisième délivrance, lui protéger contre microbes. Frère, si bon Dieu te protéger depuis dans zéro âge, c'est pas là pour bouche monde ta vienne touyer. Et pas vrai chaleur pays pas ca touyer parce que me fait bon Dieu encore. C'est lui qui t'a bonne naissance, c'est lui qui t'a fait maman porter me dans ventre. C'est lui qui te bon manger. C'est lui qui fait l'ouga ou pas de fin avec. Et bien si m'la jodi a, c'est grâce à lui. M'a continué à faire confiance. M'bral plus loin. Dis à ton voisin m'bral plus loin. Tendez bien. Tendez bien. Bon l'autre dimension. Non seulement, alléluia, lorsque
Kounia la mes bien-aimés, c'est premier secret pour être caché sous l'abri du Très-Haut, c'est faire mon Dieu confiance. Et c'est confiance ça qui a justifié nous. Nous pas justifié par ça nous fait, mais nous sommes justifiés par la foi en Christ. Deuxième secret, dans Genèse chapitre 16, verset 1, la Bible paraît, attendez bien, oui, Genèse 16, verset 1, la Bible présente deux femmes, Sarah, Aga. Dans Galates, je me demande pourquoi ça Paul obligé à remonter, mais Paul, un homme de Dieu intelligent, monsieur râle Sarah avec Aga. Qui ça Paul fait? Paul font comparaison, Paul font play. Paul montre que les deux femmes d'Abraham, pas mal trois font la donne. Paul a montré que Aga, l'Égyptienne, c'est symbole la loi. Ou bien représente la loi. De Sarah, la femme mariée, c'est la grâce. Attendez bien ça, Mbaldou là. Ma porte deux secrets pour être demeuré sous la boue du Très-Haut. Pour être demeuré sous la boue du Très-Haut, premièrement, c'est avoir confiance en Dieu. C'est faire confiance à ton Dieu pour avoir de la justice. Deux, alléluia, c'est délivrer de la loi. Lorsque Paul a dit, les que, amen, alléluia, amen, la grâce vina productive, les la grâce a développé, la grâce m'a dit Abraham pour voir la loi aller. Sarah dit avec Abraham, voyez à galer avec petite Lia, parce que cette maison, alléluia, est pour moi qui suis la maîtresse. Et mon fils Isaac, qui signifie rire, frère, bon tout ça. Côté vous voyez Aga dans le désert. La loi, le Christ pour le porter la grâce. Le Christ pour le déposer la somme qui va haut à qui a. La grâce, la loi. Fuyez dans les montagnes et dans les déserts. Frère, je dis, ce n'est pas viande cochon ou pas manger qu'il faut sauver, mais c'est la femme de Christ. Agapati, Sarah arrêté. Alléluia. Mais Kounia là, Sarah prend le peuple. Et qu'il est, amen. Deuxième secret, c'est connecté. Amen. Ce n'est pas effort personnel ou qu'il faut arriver, mais c'est la confiance en Christ qu'il faut arriver. La loi signifie effort personnel. La loi signifie ça m'te apprendre. La loi signifie tout ça m'te connaît. La loi signifie diplôme de prend. La loi signifie etc. Mes frères qui t'aiment d'où dans ce pays sont connaît. Frère, la confiance en Dieu seul. Kounia là, qui l'est? Oh, regardez ça, mon Dieu, mon frère Junior. C'était ce monde mon bail là, un gros bagaille. Qui l'est, mon Dieu, pour le présenter devant Abraham comme le Dieu Tout-Puissant? Qui l'est? Les Abraham qui a 99 ans. Ça veut dire, t'as semblé espoir perdu. Frère, bon ton bagaille. Dans l'âge Abraham arrivé là, pas d'espoir pour petit encore. Dans l'âge Abraham arrivé là, Sarah, hey, à 90 ans, pas de rien encore, pas de sang qui a coulé, pas de formé, pas de règles mensuelles, pas de rien, écoutez, cotex, ça a oublié, pratique ça a réussi, pratique cotex, cotex lia, bon, l'autre cotex, non, mesdames, cotex confort, qui est l'autre actimède. Ça a oublié pour ça, je vous dis, ça a oublié pratique ça. Parlez non, dis ça a oublié par ça. C'est dans le même moment de désespoir. C'est comme si l'on regardait Haïti ou par espoir. Et Dieu se présente pour Haïti comme le Dieu tout-puissant. Ça veut dire, le Dieu tout-puissant veut dire, le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Genèse 17. C'est là l'Éternel va révéler à Abraham non ça pour la première fois. Il sortit dans Dieu très haut. Les Abraham était jeune. Il te dit c'est moi qui met ciel, moi qui met la terre. Monsieur tellement jeune, monsieur a gagné bataille. Melchisedec dit le Dieu très haut. Deuxième côté, bon Dieu va révéler à Abraham, il va paraître, il va dire monsieur je suis le Dieu tout puissant.
L'aide parle de tout puissant. Ça veut dire le Dieu pour qui il n'y a point de possibilité. Oui, Dieu pour qui pas d'impossibilité. C'est mon Mabdou. Et ça me remet à mon Dieu. Il est tellement ce Dieu de l'impossible. Abraham a l'âge après le récit d'Isaac à 100 ans. Attendez, oui. Malgré Sarah vient mourir, Abraham remarie à Ketura. Il fait l'autre petit. Ça veut dire, alléluia, dans mon Dieu, de restitution. Ouh! Nous sommes en conction là, nous sommes en conction. Oh, crie alléluia. Qui t'aime dire avec madame ça? Des bagages ou pas de jouer à 26 ans, ou mettre des 46 ans, mon Dieu, qu'a fort jouer. Des cotons pas de visiter à 13 ans, mon Dieu, qu'a fort visiter à 47 ans. Aïe! Levez-moi, dit Dieu de l'impossible trois fois. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu. Yes. Le Tout-Puissant. Hébreu El Shaddai. Alléluia. Et vous ne pouvez pas tourner en maladie ça sous même. L'Éternel El Shaddai a déchouqué. Quelle que soit sa racine, sa nature. Alléluia. Quelle que soit sa provocation. El Shaddai. Maintenant, attendez, oui. C'est toi, non, oui. Pour mal bon, les quatre garanties. Pour mal bon, les quatre garanties, nous mettons quoi. Maintenant, non seulement Bible a dit le Très-Haut, de le Tout-Puissant. Le Très-Haut signifie. Le grand propriétaire, le maître du ciel et de la terre. Deux. Mais bonjour à servir, attendez. Pas douter, attendez, madame. Bonjour à servir. Somme 24 dit. On a le verset 1 dit. Voilà. Deux. Il est le Dieu tout. Ça veut dire. Tout puissant ici, El Shaddai. Il fait référence à un Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, un Dieu immuable, un Dieu qui ne peut se régner lui-même. Ouch! Satan qu'on mentit sous tête lui. Satan qu'on dit en parole, après il dit m'a dit ça. Mais l'Éternel ne peut se régner lui-même. Ce que sa bouche a dit, sa main la accomplira. Le Dieu Tout-Puissant, c'est le Dieu de l'impossible. Pendant Abraham a douté, l'Éternel paraît, lui dit Abraham, marche devant moi, sois intègre. C'est moi qui suis le Dieu Tout-Puissant. Pour moi, devant moi, il n'y a point d'impossibilité. C'est moi qui suis le Très-Haut. Je possède les clés. Ah! Quand je ferme, personne n'ouvrira. Et quand j'ouvre, personne. Aïe, aïe. C'est moi qui suis le Très-Haut. Je me place au-dessus des planètes. Je me place au-dessus des tambalas. Je me place, moi qui suis ton Dieu. Moi que ta kamaota qui parata. Levez-moi, fermez-vous. Amen. Mon bagage qui filait dans le ciel là, pendant que je regarde, mon nuage qui décolle dans le ciel. Aïe, aïe, aïe. Il y a un monde qui a béni à travers Facebook. Il y a un monde qui est connecté. Crie Jésus trois fois à force ou là. Moute, moute, piro, moute, piro, moute, piro. Piro, 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 piro. Cherche mon dieu, mes qualités, bon Dieu, observez. Dis, ramasse figou dans mon Dieu. Ramasse chita dans mon Dieu. Roger quoi dans mon Dieu. Il est le Très-Haut. Il est le Tout-Puissant. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Tout-Puissant. Alpha et l'Oméga. Le commencement et la fin. Le premier. Gonction là, gonction là. Il est le Tout-Puissant. Satakouba. Il est le Seigneur des Seigneurs. Je vais remettre à passer Gadne là. Il est le Tout-Puissant.
Alpha et l'Oméga. Oh, papa, le commencement et la fin, le premier et dernier. Mettez mes sous, dis, c'est mon Dieu. Tout ça, nous avons dit là, c'est mon papa. Frère, je vous garantis, je parle en ma qualité de fils de Dieu. Frère, nous ça clair, oui. Personne ne va retirer la vie, non, c'est vite. C'est vite, je vais vous donner 4 garanties. Toi, Pasteur Gadner, l'éternel. Oui, le Très-Haut, le Tout-Puissant, l'éternel. Tenez bien. Le Très-Haut, c'est le maître du ciel et de la terre. El Elyon. Le Tout-Puissant, El Shaddai, c'est le Dieu de l'impossible. Les tout espoirs perdus. Les tout monde par la route. Les tout monde dit nous prenons mourir. Les présidents disent fouiller fausse commune. Al fouiller fausse commune pour Semak en bas de monde. Pour Port-au-Prince, al fouiller fausse commune titan. Hein? Nous prenons vie de monde tant que mouche. Nous prenons vie de monde. Hey! Bien aimé, c'est pour la première fois. Moun patan sekei. Alléluia. Nous prenons vie de moun. Mais bon Dieu, virer programme. Non, parce qu'il est le tout puissant. Le tout puissant. Le Dieu de l'impossible. Les hommes par espoir. Il amène, il apporte l'espoir. Au milieu même du désespoir. Ça là qui parle. Toi, l'éternel. Ou dis avec le Très-Haut. Le Tout-Puissant, l'Éternel. L'Éternel ici, tenez bien. L'Éternel ici, ça, parce que Gadner, il peut se rapprocher. Ou bien on t'a dit, c'est le vrai nom même de Dieu. Il saute dans un mot qui c'est Yahvé ou bien Yahweh. Yahweh, dans le livre de la Genèse, chapitre 1, la Bible nous dit, Dieu des majuscules, qui fait référence à Elohim. Elohim qui c'est le nom pluriel de Dieu, singulier ou bien, alors pluriel, singulier, c'est Elola. Le fait que, alléluia, le fait que Elohim, il a dit que la lumière soit et la lumière fiche, il a dit que les secs paraissent. Il cite l'aile parle de l'éternel, il fait référence à le Dieu créateur. Le créateur, l'instigateur de la vie et de toutes les choses. Écoutez-moi, frère. Alléluia. Amen. Ici, quand tu parles de l'éternel, mais qui ça le dit? Yahweh ou bien Yahvé. Alléluia. Qui soit dans le pluriel là. Qui c'est Elohim. Alléluia. Bien-aimé, dans Genèse 1er 26, il dit, puis Dieu dit, faisons. Au pluriel. Ça veut dire, on voit ici, c'est Dieu au pluriel, c'est Elohim qui dit faisons. Que l'a dit, on fait moun. N'a fait le porter avec nous, n'a fait le sembler avec nous. Dans Genèse 1, m'a fini là, avant mal vous garantir. Mais dans Genèse chapitre 2, il n'est plus Yahweh, il n'est plus Elohim. Ça veut dire, l'hypothèse non ça. Amen, dans standard bon Dieu. Notre dimension bon Dieu, mais par rapport après la création, bon Dieu vient de relation à l'homme, il vient de communion à l'homme, à cause communion avec l'homme, il vient porter non ça qui c'est Yahweh éternel. Et ça fait le David camper devant Goliath, il pas dit au nom du Très-Haut, attendez bien. Parce que l'homme dit l'éternel, ou bien Yahweh l'éternel, c'est la relation. Ou bien t'as dit le Dieu de l'alliance. Le bon Dieu finit de créer l'homme, il passe son contrat avec elle. Ça, c'est l'alliance. C'est un pacte. Il dit, restez là dans le jardin. Vous pouvez manger tous les arbres du jardin. Mais quand on fuit, tellement t'es en relation, bon Dieu, t'es qu'on visite l'homme. Passez où est l'homme. Comment nous y est avant le péché. Ça, il était en relation. C'est ça qui fait pour venir en relation. C'est ça qui fait tant de bien. Autrefois, l'homme peut te marier. Il était le Judith. Judith Joseph. Mais l'homme vient marier par rapport avec communion. Relation vient à monsieur. Monsieur a signé Jean. Ou vient le Judith Jean Joseph.
La relation à mettre. Aïe, aïe, aïe. Le changement. Divine poté non. Yahweh éternel. La relation. Amen. Le David campait devant Goliath. David pas dit au nom du Très-Haut. David pas dit au nom du Tout-Puissant. Mais il dit au nom de l'éternel Yahweh. Le Dieu qui a une relation avec lui, qui a une connexion avec lui. Et c'est dans même Yahweh ça, nous allons jouer Yeshua sorti, le nom de Jésus, même Y l'apparaît. Ça veut dire relation, c'est Jésus qui vient connecter à bon Dieu. Levez mon cri, du feu, du feu, du feu, du feu. Hey, dis-moi des relations avec bon Dieu, la vie ne va pas passer comme ça. Oui, 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 oui. Yeshua Amashia, Yahweh Elohim. Et si tu as pris un nom, si tu as pris temps pour faire grammatical biblique avec ou bien grammaire biblique, ou tu as pris le nom Yeshua, sorti en dans Yahweh, ou bien Yahweh souffle. Mais ce n'est pas ça que nous venons faire, bah, ça nous fait longtemps. Mais ce qui est important pour me dire, le David qui est Goliath, devant Goliath, il dit au nom de l'Éternel. L'Éternel puisse rapprocher de nous. C'est le Dieu, alléluia, le Dieu qui a un pacte avec nous, qui a une relation avec nous. Qui t'aime doux mes bien-aimés, même si les hommes jetaient, l'Éternel ramassait. Et c'est même Yahweh ça qui signifie, alléluia, l'Éternel, ça veut dire qui signifie, amen, qui ne change pas, qui possède l'éternité. Yahweh Elohim, Dieu qui possède l'éternité, Dieu infini, qui semble doux par là, un, ou qui maître du ciel et de la terre avant, deux, le Tout-Puissant, qui est le Dieu de l'impossible. Toi, ou comme mon Dieu qui ne peut jamais passer de mode, qui ne peut jamais blaser, qui ne peut jamais finir, il est l'infini. Oh, crie alléluia! Crie alléluia! Crie Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Crie le sang de Jésus. Crie alléluia, gloire. Montez, 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 crie alléluia, gloire. Maintenant, c'est Esther. Passons. Passons maintenant. Amen. À l'autre bord. Maintenant, les garanties d'être sous la bouche du Très-Haut. Soit pour notre écrit ça. Mes garanties de gagner. Les gens qui ont basé le bon Dieu ça. En bas le Très-Haut. En bas le Tout-Puissant. En bas l'Éternel. Nous devons pour capable de chiter dans l'île. Un, faut faire confiance. Deux, faut sauter dans le rite. Faut sauter dans la chair pour entrer dans l'esprit. Parce que nous sauter dans la loi, entrer dans la grâce. Parce que la grâce paraît, la loi obligée de chasser loin de la maison. Maintenant, attendez bien. La grâce, écoutez, amen, oui. Et l'homme dans la grâce, ou pas gagner, ou pas raté. Ou pas Abraham rage ni pour le café petit. Frère, nous venons de ça. Année où est passé dans la vie, c'est pas gaspiller ou gaspiller. Année ça yo, même j'en ai l'appli, alléluia, l'aide doit transformer en bas ici, en vapeur monter, la former l'appli, puis pour tomber, pour user la terre. Mais c'est même gens, tout année où est passé yo, il a formé l'appli bénédiction la vie. Allez vous l'appli pour envahir. Frère, je vous garantis, alléluia, tout est par volonté, bon Dieu, que méchant pas qu'avoir aller en vendre. Maintenant, dans la garantie, parce que Gadner, numéro 1. Verset 3, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiselle. Première garantie pour nous gagner dans mon Dieu, c'est la délivrance des dangers cachés. La délivrance des dangers cachés. Frère, qui t'aime d'un bagaille. En vérité, la Bible parle de l'oiseau et l'oiselle. L'oiselle, c'est chasseur oiseaux. Frère, tendez bien. Les oiseaux attendent perlin pour les oiseaux. Il pas quitter l'ouest si c'est piège. Il y a une stratégie. Nous avons les pièges sous-noirs de l'ennemi. Frère, qui t'aime tout ça? Ou est-ce que tu as un Saint-Marc ou passé ou au passé? Ou est-ce que tu as vu de la terre? C'est qu'on ou pas qu'on est. Ou est-ce que tu as un voisinage qui a fait de nous ou non? C'est vous pas qu'on est. La délivrance des dangers cachés. C'est la première garantie nous donne. Le filet de l'oiselle. L'oiselle, elle tombe par l'air pour l'oiseau. L'oiseau n'a pas connu pour le diable. L'oiseau lui-même, c'est Green Mile qui est réussi. Et elle garde vrai à l'œil ni, il n'y a pas de piège.
Nous te contente perler l'âme de Timon en dehors. Je suis content de pèler pour les oiseaux, pour toutes les ailes. Et je suis content de prendre une pile là-dedans. Je suis content de filer la terre. Et puis, en bas, je mets des têtes noires sous le fil la net. Les oiseaux apparaissent. Il paraît que c'est le fil la terre. Et puis, j'entraîne dans le pèler pour la chercher grand maïs. Bec. Et pour entendre des racaux. Pour entendre des papa, papa. Papa. Qui est-ce qui prend un pèler? Qui est-ce qui mourit sans battre l'hôpital Saint-Nicolas? Son pèler est craqué sous lui. Son père est magique, oui. Le danger est caché. En pile dans nous, moi, je blâme mon Dieu pour ça, pour qu'on fait. Et pour qu'on j'aime prendre le temps pour dire mon Dieu merci pour ça. Ou à dire mon Dieu oui, peut-être Joe Biden, peut-être pour qu'on approuve, moi, à bout de mon Dieu. Moi, je dis, vous ne pouvez pas prier encore. Mais c'est qu'on n'a pas connu qui va le piège qui est en bas de là. À terre là. Oh, frère, le danger est caché. Caché! Les dangers cachés! Oui! Dieu nous délivre des dangers cachés! Écoutez ceci: le filet de l'oiselet évoque les pièges sournois du diable qui s'empare de celui qui ne me fie pas. Ou à marcher ou pas qu'on a rien. Quand nous rencontrer des monde qui sont mis qui dans tout caillou pourtant il y a des pièges cachés ou pas connait ça va arriver ou m'a connait si ça va arriver des monde qui était bien avant et puis ils vont côté celui qui a marché par le mal quand on est là là n'importe mon diable passé il fait trop il tend trop danger pour pas prendre levez mon dis merci Seigneur parce qu'on délivre moi en bas de danger caché. Les dangers cachés. Alléluia. Les dangers cachés nous joignent au sein de nos familles. Alléluia. Dans mes familles, il y a des dangers cachés. Dans mes temps, alléluia, frères, sœurs, cousins, cousines, il y a des dangers cachés. Il y a des gens qui ont tant de bagailles pour vous. Mais que l'Éternel passe à vos bureaux. Crie alléluia. Deuxième bagage. Frère, non seulement Dieu nous délivre des dangers cachés, dans les pièges, et les pièges sournois de l'ennemi, où Dieu délivre nous, où Dieu passe avec nous, puis oh, les méchants ont pensé, ils ont pris nous, et puis ciel là, passé avec nous. D'accord? Crie amen. Crie amen. Amen. Dis amen. Amen. Dis le sang de Jésus. Dis au nom de Jésus. Moi délivré contre tout danger caché. Dis merci Seigneur. Parce qu'on parle la game. Soutez la game. On est fini déjà. Soutez la game. On est fini déjà. Crie alléluia. Deuxième garantie, Bible a dit de la peste et de ses ravages. Cela signifie que deuxième bagage de mon Dieu, c'est la protection contre les maladies mortelles. La protection. Deuxième garantie. Alléluia. Non seulement il nous délivre des dangers cachés, l'oiselet. Chasseur, ici il fait référence à malfaiteur, malfaiteur dans la caillou, nèg k'ap chargé zam sous nom, nèg k'ap tan poud, k'ap nan cimetière, k'ap fait activité sous nom, bagay ou pas konnen, jusque là l'Éternel délivre. Deuxième bagay, elle c'est la protection contre les maladies mortelles. La Bible parle de la peste et de ses ravages. Alléluia. Des maladies dans ces maclac tombé sous moun frem li pa pleve encore non des moun royal l'hôpital avec la maladie ça pa tourner encore non je vous garantis et pourtant tout problème sorti l'Éternel protège il te gardera de tout mal possible il crie alléluia
crie alléluia. Ça veut dire Dieu ba nous protection et gagne nous là. Amen. Des maladies nous t'a fait là, notamment de $1,000 américains en urgence. Ça t'a fait. Bon, on nous parler. Si on t'a dit là, des maladies pour là en urgence pour ta menon go naïve. Pas gen route pour ta menon mi balai. Baga la red. Pour ta yem gon nek t'a sorti Saint-Domingue. J'ai l'arrivé lien cou blanche. Monsieur dit même chauffeur moto arrive côté chauffeur dit hein, on va pas avancer. Monsieur dit le mari gouma chauffeur dit pas avancer, on blague là. Il dit si après pour nous tous les deux. Chauffeur a dit non mon cher, descend. Monsieur dit m'a descend, m'a fanka la moto mais m'a tourner. Chauffeur a obligé. Et gon l'arrive fort bandi oui. Oui, bon là, il faut monter sous si oui. Et parce qu'on s'invite à marcher dans le regard, il y a un cas de tête tout. Parce que je me dis que je marche dans le regard, et oui, viens sous moi. Et je me dis lion en dame. Vous ne pensez pas? Je me dis que lion en dame. Ça, lion fait. Lion qu'on joue, ou même qui connaît. Yes! Parenthèse fermée. Maintenant, bien aimé, je voulais vous trouver que l'on marche avec bon Dieu ça. Alléluia. Liba protection. Si vous avez pas ton prince, pas un côté pour passer. Et même si vous êtes allé, quelqu'un vous a demandé, quelqu'un vous a dit que vous êtes tombé sous là, vous avez demandé pour opérer en urgence pour $3,000 américains. Quelqu'un vous a tapé tout mourir. Depuis sous moi, moi je tapé tout mourir. Si vous avez un temps pour me lever, si vous avez un temps pour me lever. Dis bon Dieu merci pour protection. Dis bon Dieu merci. Si comme on dit, Seigneur merci pour la protection. Merci pour sécurité. Merci bon Dieu. Mais campez nos chrétiens, campez nos l'église. Viens quoi. Merci Seigneur. Des maladies me fait non, nous tout bon comprimé. Des maladies me fait non, nous tout fonio. Ou fait pipi yo, ou fait baillo papa. Merci bon Dieu, moi mon Jésus. Merci pour merci ta pour me finir. Parce que gardez qui l'a abdomi, ou on misparaît, ou on docteur paraît, gen boule qui t'a formé dans tête, gen boule qui t'a formé dans rein, gen boule qui t'a formé dans intestin, et pour elle va on comprimer, ou on gen diarrhée dans dormi, par respect, ou on gen diarrhée, ou rad! Hey, qui est-ce qu'on fait rêve ou à vomi? Pas oué moun là? Ou pas qu'on fait rêve ou à vomi? Ou à vomi, c'est des bagailles noires. Ou avons vous de vieux bagages, c'est opération mon Dieu fait pour nous dormir. Dans dormir mon Dieu voyons un vin tek avant tout. Tek, mais ça pas bon. Et puis l'enlève au lever. Jean, l'aime lever, me lever. Non mon Dieu me lever. Ouch. Monsieur, la protection contre les maladies mortelles. Eh frère, la peste ici n'est pas tellement actuellement n'est pas tellement travail n'est aucun laboratoire des maladies là ouvrez la gueule la peste garde une peste non frère challenge yo la gueule peste là où tu veux détruire cochon créole nous yo bon bagay yo la gueule là où tu veux détruire petit minou on te ba nous bon malta bon bagay yo la gueule détruire petit minou ou pas bagay coco encore là aucun laboratoire des pestes. M'a tout ça, moi-même, je suis Saint-Domingue, je suis allé dans le campo, je suis arrivé à l'eau, mon suis allé à l'eau, je suis allé à l'eau limpide. Vous connaissez ça, je me dis, l'eau limpide. Mon suis allé à l'eau limpide. Lui, Sabinatel, voyait un monde, il passait de l'eau dans le laboratoire. Il est arrivé, il y a de l'eau, ça qui est limpide, très clair, très bagaille là, même chien pas de l'eau. Bon, moi avant, qui moun kap consulté laboratoire de l'eau n'a boué? L'eau n'a boué dans chache. Et je dis à tout laboratoire de l'eau. Ou gen de l'eau bleu even, de l'eau yaya, de l'eau lolo. Ou gen de l'eau lolo. Et nous même, nous pas bien connaître depuis nous. Machin, bomde. On nous dit merci Seigneur. Wouch! Toi! Hey! Toi! Cherche le monde, dis-toi! Dis troisième garantie! Non seulement délivrance, alléluia, des dangers cachés, des protections contre les maladies mortelles, toi!
c'est la délivrance de la peur et des dangers. Ouch! Bible a dit, regardez ce qui passé. Bible a dit, hein, c'est lui qui te dit que quatre gros dangers qui baillent peur dans le monde. Que quatre gros dangers qui baillent peur dans le monde. États-Unis, tout pays peur. Que quatre gros dangers. Quels sont les quatre gros dangers? Premier gros danger, les terreurs de la nuit. Les terreurs de la nuit. Attendez bien, oui. Les terreurs de la nuit. Quel rêve vous fait? Mais vous-même, vous ne pouvez pas identifier par quelle source que provient ce rêve. Ou pas qu'on qui source, qui rêve vous fait, dans le domaine, l'on levé, qui a cassé. Ou pas qu'on ça? Mercredi passé, je me levé dans le songe, je suis tellement bouqué, je suis monté mon. Je suis en danger dans le domaine, je suis en danger, son mec passé pour moi. Et puis j'aime clair, là j'aime clair, je suis bouqué. Et comme si pendant que je regardais, faut à dire présence dans le là. Les terreurs de la nuit, qui rêve vous fait, si ce n'est pas bon Dieu, pas levé, frère. Oui, alléluia, il y a des bagailles. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas prendre la journée. C'est l'abdomen, il faut chercher. Il faut l'esprit à le prendre. Mais l'éternel, il délivre nous de la peur. Cherche le monde, dit pas peur. Pas peur, pas la veille. Pas peur, pas peur, pas peur. Pas peur, parlez. Pas peur, pas peur, pas peur, parlez, parlez. Jusqu'à 21 fois. Pas peur, pas peur, souquel. Pas peur, pas peur, pas peur. Pape, 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 crie alléluia. Pape, Jésus avec vous. Pape méchant. Pape, alléluia. Pape épidémie. Pape pandémie. Pape diable. Pape méchant. Faites confiance à Dieu. Voilà. Maintenant, mes bien-aimés, alléluia, ma guette en bas reste, ma campé là, parce qu'il faut nous passer dans le grand combat. Frère, tendez bien, Dieu, délivre-nous de la peur. Bible a dit, les terreurs de la nuit, qui rêve vous fait, qui bagaille ouais nous dormi. Amen. Si bagaille ça, c'était, j'éclaire le passé, ou pas vivre encore. Bagaille ça, couche en prenant dormi, si un j'éclaire te prendre. Ou pas tap ka marche encore. Hey, gen, hey, ça va arriver, qui moun yo tire dans dormi, bon jeune fille canot. Cano, 6e section. Qui dormi, ti dame non dormi, non la 18 ans, ti dame non vierge. Tande bien ça, Abdoula. Li dormi avec mou, ti mou mouni sou li, en wan, ti sou vêtmani. Lèle, non dormi, li ouè, non dormi, les terreurs de la nuit. Non dormi, li ouè gon couleuvre qui vini point tetel, couleuvre la souce tetel. Et non dormi, li ouè couleuvre la fouye. Quel nan vagin li wè koulèv la pèse nan dormi wè la pran mwen li di non nan dormi et puis jèl kre fap li sauté l'elle sauté kabon nan beyen a sang li pèt di virginité depuis joua kano et pa porte presse nou kano bola kano les terreurs de la nuit l'elle levé rat li beyen a sang li relan mwen la kote maman li di mami hier soir mais ça te wè. Mais salte ou en dormi en réel. Dis vive Jésus dans la vie. Dis merci Seigneur parce qu'on parle à Guim. Et ça fait ma fini pour me dire. Si c'est pas une blâme, bon Dieu pour ça le bon combat. Mais dis merci pour ça le fait déjà. Acclamez pour ça le fait déjà. Applaudis pour ça le fait déjà. Li délivre contre les dangers cachés. Li délivre contre les maladies mortelles. Li délivre. Li bon protection contre les maladies mortelles. Li délivre contre la peur. Hey, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Crie alléluia. Crie alléluia. Oui, crie le sang de Jésus. Matin, on pas oublier. Nous t'a parlé avec. Alléluia. En basel, bon Dieu, me caché, moi, papa. Rien. Et deuxième point dans le message, nous te voyons la donne. Les garanties d'être sous la protection ou bien d'être sous l'abri du très haut. Nous te voyons les garanties qui ont un nombre de 9. Même bon, toi, matin, premièrement, Dieu nous délivre des dangers cachés. Les méchants ont fait bagaille. Amen. Des bagailles, nous ne connaissons pas des frères. C'est
Ils avaient leur dit bon Dieu merci. Dis merci pour ça qu'on est. Dis merci pour ça pas qu'on est. Dis merci pour ça apprendre. Dis merci pour ça pas apprendre. Dis merci pour ça entendre. Dis merci pour même ça pas ta. Parce que quand on est là, il y a des gens qui saisissent là toujours. Pour ça qu'on est fait. Ou tu dois mourir déjà. Ou tu dois finir déjà. Ou tu dois coucher dans le cimetière Saint-Marc déjà. Ou tu dois finir déjà. Mais Dieu m'a délivré des dangers cachés. Il m'a protégé contre les maladies mortelles. Oh, choléra, corona. Les pestes, on sait des maladies, les délivrer, en bas, il y a une sécurité, une bonne protection. Ce n'est pas la jambe gagnée, mais c'est bon Dieu gagné. Ce n'est pas la jambe gagnée, soit ma marche toujours, c'est bon Dieu gagné. C'est la paix gagnée, c'est la grâce qui est en dedans, c'est Jésus qui est en dedans, c'est présence, bon Dieu qui est en dedans. Criez le sang de Jésus. Et troisième bagaille, troisième garantie, alléluia, c'est la délivrance de la paix, frère. Amen, non pays ça. Sous peur ou pas prendre la rue. Sous peur ou pas maigrir la caillou. Sous peur ou pas faire l'évangile. Mais Jésus délivre en bas la paix. Et paix, en bas quatre gros dangers. Les terres de la nuit, m'a dit, même pas que tu commentes. M'a dit, tu fais commenter sur eux. Les terres de la nuit, deux. La flèche qui vole de jour. Quatre. Toi, la peste qui marche dans les ténèbres. Cinq. Les quatre, les contagions qui frappent en plein midi. M'a mis ça, m'a dit. Mais ça m'a écrit pour la et femme d'Ouli. Ça veut dire qui ça? Le Seigneur va nous garantir la vie nous protéger 24 sur 24. Pour qui ça? Il y a 4 temps. 1. La nuit. 2. Le jour. 3. Les ténèbres. 4. Plein midi. Cherche mon dimanche sécurité. Dimanche sécurité. Mon sécurité la nuit. Mon sécurité le jour. Ma sécurité dans les ténèbres. Ma sécurité en plein midi. Criez sécurité, sécurité. Bien aimé. Mais ça m'écrit pour vous. Mais ça laisse faire m'écrit pour vous. Campez pour nous recevoir. Pour me mettre quoi. Et nous allons faire ça avec la foi. Et l'homme fini bon onction pour passer dans la salle là. Il y a des gens qui vont saisir en bas onction. Il y a des gens qui ont tellement onction qui a rempli la tombe. Ce n'est pas démon la gagne, mais son dimension, son van qui pète dans la vie. Son ça, aïe, 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 aïe. Levez-moi, 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 levez-moi. Motivo, 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 motivo. Tenez bien. Jésus, ange l'a te dit avec Marie. Il n'y a pas de gens chercher les gens qui vivent. Pas mimo. Il n'y a pas chercher les gens qui vivent. Pas mimo. Et bien nous allons déclarer. Levez-moi. Dis alléluia. Alléluia. Levez mon Dieu, pas jamais chercher. Moun qui vivent parmi moi. Dis au nom de Jésus. Moi même Rodnas. Pas chercher parmi moi. Moi vivant déjà. Pas chercher parmi moi. Moi vivant déjà, vieux quoi, vieux quoi. Pas chercher parmi échoué. Je réussis déjà. Pas chercher m'a mieux choué. Je réussis déjà. Pas chercher m'a mieux condamné. Je libéré déjà. C'est ça, c'est génial. Pas chercher m'a mieux condamné. Je libéré déjà. Pas chercher m'a mieux sac tombé. Je levé déjà. Pas chercher m'a mieux sac tombé. Je levé déjà. Pas chercher m'a mis ça tombe. Dis ça trois fois. Pourquoi? Pas chercher m'a. Deux. Trois. On allait pas chercher m'a mis stérile. Moi reproduis déjà. Pas chercher m'a mis stérile. Moi reproduis déjà. Coupez la comme. Pas chercher m'a mis stérile yo. Parle sur tête ou parle sur tête ou parle. Moi reproduis déjà. Pas chercher m'a mis mon en bas yo. Moi en haut déjà. Pas chercher m'a mis mon en bas yo. Viens quoi, viens quoi, viens quoi, viens quoi, viens quoi, viens quoi. Moi en haut déjà. Pas chercher m'a mis pauvre yo. Moi en mis ton grand déjà. Pas chercher m'a mis pauvre yo. Moi en mis ton grand nec déjà. Wouch! Pas chercher m'a mis pauvre yo.
Moi, j'ai mis ton gros nez déjà. Pas chercher, pas mis petit l'homme, yo. Moi, petit bon Dieu déjà, vieux, quoi, vieux, quoi. Côté qui ça, monsieur, côté qui ça. Avancez dans le couloir, Avancez, quittez bon. Baille ça fort. Dégage ça fort. Amen. Elle met là. Mette parole, ça ramasse parole. Amen. On allait. Pas chercher, m'a mis petit l'homme, yo. Moi, petit bon Dieu déjà. Pas chercher, m'a mis petit l'homme, yo. Ouch! Moi, petit bon Dieu déjà. Pas chercher, m'a mis chômeur, yo. M'a travaillé déjà. Saisis. Pas chercher, m'a mis chômeur. Confiance. M'a travaillé déjà. Pas chercher, m'a mis mon l'enfer, yo. Maintenant la gloire déjà. Maintenant la gloire déjà. Recommencez pas chercher m'a mis moi yo. Moi vivant déjà. Pas chercher m'a mis moi yo. Moi vivant déjà. Pas chercher m'a mis échoué yo. Moi réussi déjà. Pas chercher m'a mis condamné yo. Wouch! Moi libéré déjà. Pas chercher m'a mis sac tombé yo papa. Ta. Moi levé déjà. Pas chercher m'a mis péché yo. Moi sanctifié déjà. Pas chercher m'a mis stérile yo. Moi reproduit déjà. Pas chercher m'a mis mon en bas yo. Moi en haut déjà. Pas chercher m'a mis pauvre yo. Moi n'a mis tant grand déjà. Pas chercher m'a mis chômeur yo. M'a travail déjà, réclamé. M'a travail déjà. Pas chercher m'a mis l'enfer. Pas chercher m'a mis moun l'enfer yo. Moi dans la gloire déjà. La gloire sous visage. M'a piqué la gloire. Criez gloire 7 fois. Gloire 2, gloire 3,